Bon, l'association de soutien au travailleurs migrés existe depuis 1979 et nous sommes une organisation qui, d'un côté, revendique des droits égaux pour les résidents non luxembourgeois à Luxembourg et aussi pour les gens qui viennent travailler à Luxembourg. Et puis, d'autre côté, nous sommes une association qui développe des projets avec des enfants, des jeunes, avec des adultes, pour un meilleur vivre ensemble. Donc, nous essayons aussi, d'un point de vue politique, d'agir pour que des projets se fassent où les gens vivent ensemble et non pas un à côté de l'autre. Donc, nous venons de réaliser un programme d'animation par ordinateur pour apprendre à mieux connaître les élections au Luxembourg, donc les élections législatives, les élections communales, les élections au Parlement européen, et puis bien sûr les élections aux chambres professionnelles, étant donné que tout le monde doit aller voter pour le 13 novembre aux chambres professionnelles s'il est salarié au Luxembourg. Nous avons fait cet outil parce que nous pensons que beaucoup de gens ne savent pas à quoi servent toutes ces institutions et comment faire pour voter le jour des élections, qu'est-ce que je dois avoir comme papier, comment je peux m'inscrire, et puis aussi comment le jour même, dans ma petite boîte là où je suis en train, je fais mes croix pour savoir comment le vote à Luxembourg et quand il est valable et quand il n'est pas valable. Et donc chaque outil pour permettre aux gens aussi de vérifier s'ils ont bien compris, et après à la fin un petit quiz où vous pouvez vérifier. Ces animations sont en français, anglais, portugais et donc c'est une et allemand, et donc c'est une façon, par exemple pour les Portugais, soit s'ils sont déjà inscrits, soit s'ils ne le sont pas encore. Pour tous ceux qui vont aller aux chambres professionnelles, ils vont devoir aller parce qu'ils sont salariés, donc pour mieux comprendre à quoi servent les institutions, hein, pourquoi c'est important d'aller voter, qu'est-ce que ces institutions ont comme pouvoir, et puis d'un autre côté, comment je dois concrètement le faire le jour des élections.